Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour la guidance de cette semaine. Donc c'est intemporel, quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est valable pour votre semaine à venir. Donc ici on va voir donc ce qui vient vers vous ici. Donc je vous laisse faire votre choix ici entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3 ici. Donc n'oubliez pas que c'est des guidances généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo, donc n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'un soin énergétique, vous pouvez aussi me contacter, donc n'hésitez pas. Donc on va tout de suite commencer ici avec le tas numéro 1. Le tas numéro 1 ici pour cette semaine, donc ce qui vient vers vous ici, on a événements proches et on a les disputes. Donc ça peut nous parler d'un conflit ici au sein du couple ou au sein au niveau professionnel pour certaines personnes. On est dans une énergie d'incompréhension en fait, hein, donc on va rajouter nos cartes. Ouais, il y a une notion de désaccord, hein, donc vraiment, donc là on a l'année en cours, donc corps physique souffrant et lâcher prise par rapport à ces disputes. Donc pour certaines personnes, il se pourrait que voilà, cette semaine vous soyez confronté à une situation qui va vous stresser, qui va vous mettre en fait, qui va vous sortir de votre zone de confort, hein. Donc vous pourrez être en colère, ce genre de choses. Donc ça va impacter votre corps ici, hein. Donc le stress, hein, le stress va vous rendre malade. Vous pourrez avoir pour certaines personnes aussi peut-être des douleurs au corps, hein, aussi, hein, donc au niveau musculaire. Donc voir à voir par rapport à votre situation. Mais là, j'ai vraiment une impression que ça peut aussi concerner un projet à long terme avec votre autre, hein. Donc du coup là il y a un désaccord, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, hein, pour quelque chose en particulier ici, hein. Donc ça peut être par rapport à le fait de déménager, d'aller ailleurs, par rapport à une construction, vous voyez, mais vous vous projetez loin parce qu'avec l'année en cours c'est quelque chose quand même que vous mettez en place ici, et là il y a cette incompréhension ici, donc ça vous met énormément de stress, hein. Donc il y a un besoin de lâcher prise, hein, par rapport à cette situation. Et donc pour certaines personnes, voilà, donc ça peut impacter aussi le corps, hein, donc stress, douleurs musculaires, voilà, les nerfs un peu, vous voyez, donc on se détend, il y a besoin de, voilà, de lâcher prise, hein, par rapport à cette lourdeur ici, hein. Alors, cette semaine ici. Ici, on a la reine de coupe. On est beaucoup dans les émotions ici. Hein. Donc, c'est le fait de. Vous prenez trop les choses à cœur aussi pour certaines personnes. Il se pourrait que ici, ben, que ce soit au niveau professionnel pour certains, là, il y a un conflit où il y a quelqu'un vous dit quelque chose qui va vous blesser. Et c'est pour ça qu'il y a cette blessure-là. Cette blessure va engendrer en fait un stress qui peut vous rendre malade aussi. Hein. Et on vous dit, mais vous êtes quand même quelqu'un de très sensible. Donc, il y a un besoin de vous protéger par rapport à ces paroles, par rapport à ce que vous pouvez entendre, par rapport à ces conflits aussi. C'est protégez-vous, préservez-vous en fait. Hein. Donc, on a vraiment cette notion ici. Et derrière, on a la force, donc il va falloir que vous soyez plus fort que ça, plus fort que cette dualité, plus fort que ces disputes ici. Voyez, reprenez le contrôle de vos émotions avec le lâcher prise. Voyez, donc cette personne qui ferme les yeux et qui se concentre sur son bien-être. Donc, on a vraiment cette notion. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine ici? Derrière, on a le 9 de bâton, hein, qu'on a une notion aussi, vous voyez, la personne qui serre le fil au niveau de la taille comme une protection. Il y a quelque chose qui est forcé là, vous voyez, mais c'est aussi ben, le courage. Soyez courageux, préservez-vous et cette notion aussi de protection, protégez-vous, hein, parce qu'effectivement, il se pourrait qu'il y ait vraiment un déséquilibre ici au niveau du corps. Hein. Alors ici, on a le 5 d'épée, hein, qui va bien nous parler de conflits, hein, de ces disputes-là. Donc voilà, vous avez les gens derrière, vous êtes battus, vous sortez victorieux quand même dans cette affaire. Hein. Mais malgré tout, vous voyez, la tête ici, vous gardez quand même de la rancune, vous gardez quand même du stress, hein, des énergies là qui sont là. Donc il y a un besoin de vous détacher de ça. Et là, avec le 10 de denier ici, on a une notion de vous concentrer sur votre bien-être, votre famille. Mais c'est aussi un accomplissement, c'est aussi profiter des moments conviviaux avec votre autre. Hein. Donc voilà, très positif pour vous par rapport à cette situation-là. Donc pour certaines personnes ici, il se pourrait que vous soyez invité cette semaine à un repas en amoureux. Donc quelqu'un qui est plein d'amour, quelqu'un qui vous admire ici.
hein, donc voilà, ou que vous admirez depuis, et en tant qu'homme, vous allez inviter cette femme-là, hein, donc si vous, que vous soyez une femme ou un homme, dans tous les cas, il y a cette notion-là de passer des moments ensemble dans l'aspect sentimental pour certaines personnes. Donc là, on a vraiment la notion de jalousie, on vous regarde ici par rapport à ces disputes-là en fait. Et on dirait qu'il y a une personne ici en fait qui va vous générer en fait des problèmes ici cette semaine. Vous voyez, quelqu'un qui vous regarde de travers, quelqu'un qui vous dit des mots de travers. Hein. Donc par rapport à votre couple par exemple, c'est pour ça qu'on vous dit, ben voilà, il y a un besoin de resserrer les liens ici dans votre vie sentimentale. Ou peut-être que tout simplement profitez de ces énergies-là. Concentrez-vous sur ces énergies-là plutôt que de ces disputes et ce que vous pourrez entendre à l'extérieur. Donc on a vraiment cette notion ici à une dualité avec une tierce personne en rapport avec l'aspect sentimental. Donc ça peut être par exemple, ben, même si par exemple supposons vous êtes célibataire ici, on pourrait recevoir des jugements que ben voilà, cette fille-là est malchanceuse. Enfin vous voyez, on peut avoir cette notion-là aussi hein, pour certains si vous êtes célibataire. En tout cas, on vous dit ici, restez concentrés, n'oubliez pas qui vous êtes, vous avez une force en vous d'aller où vous voulez, d'aller au bout des choses. Donc, vraiment très important de se déconnecter de ces énergies ici. Restez dans votre énergie de bienveillance ici. Alors, il est où mon oracle? Alors, numéro 1 cette semaine. Et on a l'aspect professionnel ici, pour certaines personnes, on a les contrats ici, donc d'où la célébration aussi. Hein. Il se pourrait que voilà, vous signez un contrat cette semaine, où on vous appelle ici parce que vous avez postulé, donc ça y est, hein, là il y a les signatures qui sont faites. Hein. Donc vraiment ici, et même au niveau augmentation, au niveau on vous élève, on vous change de poste. En tout cas, c'est très favorable ici, tout ce qui est aspect professionnel pour ceux qui ont tout ce qui est administratif, des papiers à signer, des contrats et tout ça. Hein. Donc ça va être favorable pour vous. Et ça peut aussi générer des jalousies par rapport à ces signatures, par rapport à ce contrat que vous avez réussi à obtenir, hein, voyez, d'où les disputes aussi ici, hein, des gens qui vous regardent de travers aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les examens, donc réussite, signature, donc il y a une notion de victoire ici, donc projection, et on a la séparation, et on a les enfants. Donc pour certaines personnes ici, on a une notion ici au niveau de l'école, donc un examen si votre enfant passe un examen, ou si c'est vous qui passez un examen ici, il y a une notion de réussite. Donc ça peut être aussi par rapport avec la projection, une notion de grossesse en fait, vous voyez, vous avez envie d'avoir un enfant, vous êtes tellement projeté, et là par rapport aux examens, c'est positif pour certaines personnes. Vous voyez, donc voilà, il y a ici une notion de distance, de prendre ses distances par rapport à une situation aussi, hein, d'où la projection. Ça veut dire que vous êtes à un moment où il va y avoir un moment de doute en fait. Il va y avoir de doute, donc il y a un besoin de vous détacher de ces doutes-là, de ces inquiétudes ici, vraiment de vous connecter ici à vos rêves, à ce que vous souhaitez ici, hein, puisqu'on a vraiment les contrats, donc c'est positif, hein. Donc tout ce qui est examen, donc ça peut nous parler aussi de prise de sang, comme je vous ai dit, par rapport à une grossesse et tout. Donc vous allez apprendre que c'est positif. Vous pourriez apprendre, voilà, à quelqu'un de proche hein, qui est enceinte. Donc voilà, on a ces énergies ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc, on vous dit aussi vraiment de vous concentrer sur vos objectifs, hein, sur vos rêves, sur votre travail, sur ce que vous avez à faire, hein, et vraiment de vous détacher vraiment de tout ce qui peut générer des inquiétudes et du stress ici. Et que dans tous les cas, voilà, vous allez y arriver, quoi. Vous voyez, on a espoir, hein, vraiment. Hein. Gardez, voilà, on a les correspondances donc, qui va vraiment nous ramener aux signatures là. Donc une réponse favorable si vous avez postulé, par exemple, vous voyez. Et encore une fois, par rapport à cette notion de grossesse ici, donc vous recevez une réponse si vous avez fait des thèses, des choses comme ça, c'est positif par rapport à un examen, que ce soit le permis, même au niveau des études et tout ça. Donc c'est très positif ici. C'est pour ça qu'avec la projection et l'espoir, on vous dit voilà, de vous concentrer sur vos objectifs, hein, sur l'aspect positif des choses et de vous détacher de tout ce qui est négatif. En tout cas, vous allez recevoir une très bonne nouvelle cette semaine ici avec l'espoir et les correspondances. Donc ça peut être aussi pour certaines personnes par rapport à une personne qui est partie, donc un ex, quelqu'un avec qui vous avez été récemment. Avec la projection, vous pensez tellement à cette personne. Et là, il y a cette notion de recevoir des nouvelles de cette personne. Mmh.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Donc, vous voyez, derrière, on a les craintes. Donc, il se pourrait effectivement, si vous avez passé un examen, que vous soyez dans des craintes, vous savez pas si vous avez peur de ne pas l'avoir, vous avez peur que ce soit négatif. Et là, du coup, ben, on vous dit, voilà, de vous détacher des peurs, parce qu'avec l'espoir, on a une notion de réussite. Hésitation et l'homme. Donc là, ça peut nous ramener à l'aspect sentimental pour certaines personnes ici par rapport à cette personne qui est partie. Et là, il y a une notion d'hésitation. Cette personne va revenir. Vous allez recevoir des messages de cette personne. Hein, et du coup, vous allez être dans une énergie d'hésitation hein, par rapport à la projection. Vous ne savez pas si vous l'acceptez ou pas. Ou si vous ne savez pas si vous laissez cette personne rentrer dans votre vie ou pas. Et vous ne savez pas si cette personne est sincère en fait avec vous ou pas. Comment les choses vont évoluer avec cette personne. Parce qu'on a un jeune homme ici, vous voyez. Donc il y a une notion que cette personne, par exemple, veut mettre fin à cette relation ou vous voulez mettre fin à cette relation, mais vous ne savez pas, vous savez pas, vous êtes dans le doute, vous savez pas trop en fait. Vous voulez bien garder espoir, mais au final en fait vous êtes quand même dans des doutes quoi, dans des hésitations. Hein. Vous savez pas quel choix prendre, quelle décision prendre ici. Hein. Donc là on a la créativité pour certaines personnes ici. Si vous êtes un artiste, chanteur, dessinateur, écrivain ici, il y a cette notion de développer cet aspect-là. Hein. De prendre le temps, de vous accorder le temps, de faire des choses vraiment qui vous déconnectent aussi, voilà, des problématiques, hein, parce que c'est vrai qu'on sait que, par exemple, quand on peint, quand on dessine, quand on chante, on vibre dans une autre fréquence. Donc, il y a cette notion-là vraiment de être dans la créativité. Alors, on va prendre notre message. Wow, écrivez et compilez vos rêves. Donc là, ben, dessinateur, écrivain. Donc il y a cette notion-là, voilà, d'écrire. Par exemple, voilà, je sais pas si vous avez un journal intime pour certaines personnes, mais il y a vraiment cette notion-là d'écrire, que ce soit vos problèmes, que ce soit vos rêves ici. Il y a besoin de poser ça sur des feuilles, hein. Alors, vous recevrez des réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin, d'où cette hésitation. Donc, ça veut dire que vous allez recevoir des signes ici via vos rêves. Donc, n'oubliez pas quand, par exemple, vous vous réveillez en pleine nuit après avoir fait un rêve étrange, de noter quelques détails qui peuvent vous aider quand vous allez vous réveiller ici à vous rappeler de ce rêve-là. Donc là, il va y avoir des indications, un signe qui va vraiment vous permettre de vous aider à faire ce choix-là. Donc voilà, mes chéris. Donc on va utiliser cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici par rapport à ce tirage? Ici, on vous dit nul besoin de vous inquiéter. Donc, c'est pour ça hein, qu'on avait la projection ici. Ne vous inquiétez pas par rapport à tous ces questionnements, par rapport aux doutes que vous pourriez rencontrer hein, cette semaine ici. Hein, donc, il n'y a pas besoin de vous inquiéter par rapport à ça. Et on a encore une fois le lâcher prise. Détendez-vous. Lâchez prise par rapport à ça, par rapport à cette personne, par rapport à ces inquiétudes ici. Et concentrez-vous sur l'aspect positif. Gardez espoir, peu importe ce qui vient. Et là, on a AGC. Voilà, gardez espoir. Ici et agissez, faites les choses. Voilà, c'est pour ça qu'il y a l'hésitation. Mais avec les signes que vous allez recevoir, ça va vous permettre en fait d'avoir des indications pour que vous puissiez agir. Mais on vous dit malgré tout, mais il faut agir aussi. Hein. Donc ça veut dire si quelqu'un avec les disputes ici, ben, au lieu de ruminer des choses, ben, soit vous dites les choses clairement et avec sincérité ici, au moins comme ça vous extériorisez les choses, hein, ou tout simplement vous lâchez prise avec ça, vous déconnectez des problèmes et vous poursuivez votre chemin. Donc on a vraiment cette notion. Hein. Alors, message des guides ici pour clôturer notre tirage de cette semaine. Alors, ici, on a appréciation avec les dons divins. Donc, ça nous ramène vraiment à cet aspect-là aussi de créativité. Mais là, il y a une notion d'apprécier ce que vous avez. Et ça nous ramène aussi à la carte ici avec la 10 de coupe. Appréciez, profitez pleinement de votre vie, de votre couple, de vos enfants si vous en avez, de ce que vous avez, de ce que vous possédez déjà en fait. Ne vous projetez pas sur des choses que vous n'avez pas en fait. Profitez déjà de ce qu'il y a à portée de main. Donc, il y a les guides aussi qui vont vous aider ici à aller vers quelque chose qui va vraiment vous aider dans le futur ici par rapport à des projets, que ce soit au niveau professionnel, mais on a une notion aussi de satisfaction par rapport à ces nouvelles qui arrivent ici pour vous.
Ici, on a le désespoir avec les disputes et la honte. Donc, ça peut nous parler vraiment. C'est pour ça que voilà, il y avait la carte ici de d'appréciation. Ça veut dire que ben, s'il y a des gens qui cherchent à vous déstabiliser, par exemple, cette semaine, vous pourrez recevoir des critiques, par exemple. Donc, ce qui fait que ben, vous pouvez ressentir de la honte ou des choses comme ça. Et là, ben, il y a une notion de désespoir. Vous ne croyez pas, en fait, que c'est possible. Vous ne croyez pas que ben, les examens que vous avez passés, vous allez les réussir. Vous voyez, ou que cette personne va revenir. Donc, il y a une notion des énergies comme ça. Donc, de vous détacher de ça, et ici il y a une notion d'aller passer du temps un peu dans la nature, de vous aérer. C'est pour ça qu'avec le lâcher prise, vraiment de vous concentrer sur des choses essentielles. Et le guérisseur divin ici va vous aider par rapport aux problématiques de santé, parce qu'on avait le corps souffrant, je crois. Voilà, ici on a le corps souffrant, donc il se pourrait que pour certaines personnes ici, vous ayez des problèmes de santé ou voilà, des douleurs que vous ne savez pas d'où ça vient. Donc on peut avoir cet aspect, donc vos guides ici vous aident dans ces énergies-là. Donc n'hésitez pas aussi à faire des demandes à vos guides. Mais il y a une notion aussi de honte par rapport à votre poids, par exemple. Si vous êtes en surpoids, vous pourrez recevoir des critiques par rapport à ça, par exemple. Mais détachez-vous de ça, hein, vraiment, c'est très important parce que cela peut vous faire souffrir, parce que c'est vrai que quand on ne s'accepte pas, eh bien... C'est nous-mêmes qu'on inflige en fait cette douleur-là, cette souffrance-là. Toutes ces critiques-là, on se les fait nous-mêmes, et c'est vrai que ben, ça a tendance à créer des problèmes de santé pour certaines personnes. Donc il y a vraiment besoin de vous détacher de ça, de vous concentrer sur votre bien-être, et avec les appréciations, apprécier ce que vous avez, la vie que vous avez. Et si vous êtes en vie déjà, c'est très positif. Donc voilà mes chéris, ce que je peux vous dire par rapport à cette guidance. Et moi, je vous souhaite une belle et merveilleuse semaine. Le tas numéro 2 ici, donc ce qui vient vers vous cette semaine. Alors ici on a les vies intérieures et on a la rupture. Donc là on est vraiment dans des énergies de quelque chose de plus profond à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui se bousculent, qui se travaillent. Donc des remises en question, une incompréhension de ce qui se passe en vous, hein, des inquiétudes. Là on est dans le niveau du mental, hein, donc vraiment des énergies assez lourde, mais au final, j'ai quand même l'impression qu'il y a une notion de libération. Donc, il y a quelque chose qui se fait quand même. Donc, je ne sais pas si vous méditez ou si vous travaillez sur les capacités psychiques, mais là, il y a une notion quand même de quelque chose qui se brise, comme un masque qui s'enlève pour vous permettre d'être vous-même. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion-là de vie intérieure avec cette lumière-là et cette rupture-là, tout ce qui se fracasse en vous. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces inquiétudes et tout ce tracas d'inquiétude. Hein. Alors, voilà, ici on a le chakra sacré. Il y a une notion de travailler sur votre chakra sacré. Donc c'est le chakra, le deuxième chakra ici au niveau des énergies sexuelles, des choses comme ça. Donc il y a un besoin de travailler sur ce chakra-là. Peut-être qu'il y a un déséquilibre ou tout simplement, en plus c'est la même couleur orange. Donc il y a cette notion d'éveil, de réveil. Et il y a un travail qui se fait dans cet aspect-là. C'est pour ça qu'il y a ce déséquilibre-là que vous pouvez ressentir dans votre vie, par exemple. Ici on a un bonheur total et angoisse et peur. Hein, donc comme je vous disais tout à l'heure, et là on a la rancune. Alors mes chéris, les énergies de cette semaine, pour certaines personnes, ça peut être assez lourd, entre guillemets. Pourquoi? Parce que il y a un éveil spirituel, hein, qui se fait en vous. Il y a quelque chose qui se fait en vous. Il y a comme une fracture, vous voyez, comme si vous avez des choses, des parasites un peu dans le corps, et l'énergie là, elle va vous permettre de vous nettoyer, mais ça va déclencher du coup... des angoisses, des peurs, des inquiétudes, parce qu'encore une fois, on avait dit les mentales, hein, beaucoup trop d'inquiétudes en fait, vous voyez. Donc ça crée des énergies assez lourdes, de blocage pour certains. Mais il y a une notion quand même de réveil, parce que vous voyez ces énergies-là qui sont au niveau du bas, on avait dit le deuxième chakra, il y a quelque chose à travailler. Et pour certains, est-ce que vous avez des blessures, ils sont au niveau sentimental, et il y a une rupture brutale, un traumatisme, une agression, des choses comme ça. Il y a un besoin de vous libérer de ça en fait, hein, parce que ça a pu générer en fait des blocages en vous. Vous, au niveau de votre chakra sacré, ce qui fait qu'il y a un besoin de travailler dans ça, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a cette rupture-là intérieure, hein, parce que vous cherchez en fait à briller, vous cherchez, votre âme cherche à vous faire briller, mais il y a ce blocage qui peut par contre, voilà, générer un peu de stress et d'inquiétude, le fait d'être un peu perdu, hein. Et pourtant là on a quand même une notion de bonheur total. Donc une fois que vous serez débarrassé un peu de ces énergies ici, eh bien vous pourrez connaître ce bonheur-là total dans votre vie. Mais c'est vrai que souvent quand il y a des blocages comme ça, quand il y a des problèmes dans notre vie, c'est souvent lié aussi à des blocages qu'on a à l'intérieur, hein, des choses qu'on garde, qu'on n'exprime pas. Donc du coup, il y a un besoin de faire un travail là-dessus pour pouvoir en fait être heureux plus tard, en fait, du coup, hein, de briser tous ces blocages-là pour pouvoir, oui, vivre pleinement sa vie, quoi.
Donc sans stress, sans tous ces problèmes qui peuvent débarquer comme ça dans notre vie sans qu'on sache d'où ils viennent. Vous voyez, donc du coup, il y a un besoin de travailler sur ça. Voilà, la papesse ici, et oui, on est vraiment dans les. Dans, si vous êtes. Vous travaillez dans la. Comment dire? Tout ce qui est spirituel, donc dans l'éveil, hein, parce que là, il y a vraiment cet aspect-là, de travailler sur vos capacités, vos dons psychiques ici. Hein. Il y a un besoin de vous libérer d'un poids pour que vos dons puissent s'exprimer librement ici. Hein. Derrière, on a le 9 de bâton, une notion de protection, une notion de persévérance, de ne pas lâcher, de continuer à vous battre ici pour faire partir ces blocages. Hein. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment on est dans l'aspect intuitif ici. Vous allez être très, très, très connecté ici au monde spirituel hein, pour certaines personnes. C'est pour ça que vous pouvez un peu sentir ces énergies un peu stressantes qui vous bloquent un peu, cette rupture avec la réalité pour certaines personnes. Hein. Donc, c'est pour ça que vous voyez avec les angoisses et la peur, hein, toutes ces énergies-là. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui se fait là. Il y a vos dons qui travaillent. Donc, je ne sais pas si vous faites déjà ce travail-là, mais vous pouvez aussi tout à fait cette semaine voilà, allumer une bougie, faire des bains, de nettoyage, enfin, pas mal de choses que vous pouvez faire. Hein, donc, n'hésitez pas pour débloquer un peu les situations. Ici, on a le 7 de denier, une notion de récolter ici. On a le chevalier de denier. Et on a le 7 de bâton avec les amants. Waouh, magnifique. Alors ici, mes chéris, pour certaines personnes ici, il y a une notion de retour d'une personne. Par exemple, vous êtes en couple, votre autre était parti quelque part pendant quelques jours. Mais il y a une notion que cette personne revient. Et pour certaines personnes, vous allez récolter ici les fruits de vos efforts. Il y a une notion de récompense aussi parce que ce monsieur transporte un denier avec. Donc, c'est une bonne nouvelle qui vient vers vous, en fait, pour vous permettre ici de faire quelque chose, de démarrer un projet ou tout simplement, bah, du coup, de récolter tous ces efforts-là que vous avez fait, que ce soit au niveau professionnel hein, ou par rapport à un projet, votre micro-entreprise. Hein. Donc il y a vraiment cette notion. Mais il y a une personne qui revient dans votre vie ici et une notion de joie et de partage. Hein. Et ici, on vous invite vraiment, par contre, voilà, à préserver votre vie ici sentimentale hein, pour certaines personnes. Hein, si vous êtes en couple ici, il y a une notion de préserver. Ne parlons plus trop. Ne pas non plus trop voilà, exhiber certaines choses, certaines informations. Après, voilà, on ne va pas non plus rester dans des craintes toute notre vie. Hein. C'est juste que c'est vrai que voilà, des fois, il y a certaines choses, je pense que vaut mieux qu'on garde pour soi-même pour éviter les énergies négatives, les mauvaises et tout ça. Et encore une fois, moi, je dis toujours, bon, voilà, il faut vivre simplement. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Mais il y a certaines limites à ne pas franchir, par exemple, vous voyez. Et là, il y a quand même avec les amants, les amoureux, de passer des bons moments. Mais ça nous ramène à cette personne qui revient dans votre vie. Donc, ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, le fait de recevoir des nouvelles de votre autre, et pour d'autres, vous pourriez apprendre une grossesse. Hein, donc voilà, ici par rapport à vous hein, dans votre vie sentimentale, peut-être que c'est lui qui va vous demander mais du coup, ça est-ce que c'est bon? On peut faire un enfant par exemple, vous voyez. Mais demande en fiançailles aussi pour certaines personnes parce que ce monsieur-là apporte un denier, quelque chose de très important ici. C'est des richesses, mais pas que matérielles, mais c'est des richesses d'une bonne nouvelle, de quelque chose vraiment qui va vous permettre de concrétiser quelque chose, un projet ici dans l'aspect sentimental. Alors, mon oracle a disparu. Ah, il est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici pour cette semaine? On a ici l'échec. Et la tranquillité. Donc voilà, hein, donc, par rapport aux problématiques que vous pourriez rencontrer ici pour certaines personnes. Hein, donc il y a un besoin de vraiment essayer de retrouver un équilibre, votre paix intérieure ici par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, par rapport à un refus ici. Sachez-le, ben voilà, que ce n'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'on vous a dit non là, ce jour-là, que ça veut dire que ça va rester comme ça. Parce qu'on a de la tranquillité, on vous dit de rester serein par rapport à cette situation. Hein, les choses peuvent changer à n'importe quel moment. Donc c'est vraiment pas une fatalité ici. Et ce n'est pas parce que vous vivez ces situations-là que vous êtes en échec ou que c'est un échec. Les choses peuvent changer, mais il y a juste un besoin de changer les pensées ici, de les transformer en pensées positives pour modifier les choses. Et on a une notion de culpabilité aussi. Hein. Donc vraiment avec la rancune ici, donc ça peut nous parler de certaines personnes ici par rapport à un conflit, par exemple, ou de la culpabilité par rapport à un échec, quelque chose que vous n'avez pas réussi, par exemple, vous voyez. Mais on vous dit quand même malgré tout que ce n'est pas une fatalité parce que derrière, on a quand même une évolution. Donc ça veut dire que ben, ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui, demain, ça se multiplie en deux fois en évolution positive. Donc c'est pour ça que voilà, il faut pas avoir une fatalité dans tout.
Et là, vous voyez, on a cette notion d'évolution par rapport à cette instabilité, hein, cet échec, ce que vous n'avez pas réussi à faire ici, ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Les choses plus tard vont évoluer favorablement parce qu'avec la fécondité, c'est un nouveau départ. Donc avec l'évolution, c'est vraiment cette énergie-là, de ne pas vous inquiéter sur ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Mais les choses vont démarrer lorsque ça sera le bon moment. Et pour d'autres personnes ici, au niveau de la grossesse, ici par exemple, hein, donc on avait tout à l'heure, je disais, c'est pour ça que voilà, votre hôte vous demande, ben, ça y est, c'est le temps, est-ce qu'on peut faire un enfant? Mais c'est aussi le fait que peut-être que vous avez essayé, ça n'a pas fonctionné, mais une notion de patienter, que les choses se feront quand ce sera le bon moment aussi pour certaines personnes. Alors ici on a les amitiés, donc il se pourrait que voilà, pour certaines personnes ici avec les instabilités, à un moment donné, ben voilà, il y a pu avoir des disputes ou une incompréhension, ce genre d'énergie ici. Donc les choses vont évoluer par rapport à ça. Il y a une notion de partir sur un nouveau départ. Vous voyez, donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Une notion aussi, voilà, de partager votre ce problématique-là avec des personnes qui vous tiennent à cœur. Vous voyez, des gens de confiance surtout par rapport à ces difficultés, par rapport à ce qui n'a pas fonctionné. Ne gardez pas les choses seules, ne souffrez pas seul. Vous voyez, trouvez une personne de confiance, donc une amie, un membre de la famille. Ben voilà, mais une notion aussi de vous décharger un peu des problèmes. Hein. Et encore une fois, ce n'est pas une fatalité. Les choses vont évoluer puisqu'il y a un nouveau départ qui se présentera à vous. Hein. Donc une évolution aussi par rapport à tout ce qui est administratif pour certaines personnes ici. Créativité au niveau professionnel et on a la chance ici. Donc la chance vous accompagne. Et c'est pour ça que je sentais vraiment tout à l'heure par rapport à cet échec-là. Il y a certaines choses qui arrivent des fois, voilà, hein, vraiment, hein, parce qu'il y a une raison. C'est pas le bon moment en fait. C'est pas le bon moment. Et la chance est là quand même. Ça veut dire que vous avez une énergie de chance. Il y a des opportunités, des possibilités qui vont se présenter à vous plus tard. Donc peut-être cette semaine ou peut-être un peu dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Mais n'oubliez pas que vous avez cette énergie de chance. D'où cette évolution ici. D'où avec le 7 de denier, la grossesse, le fait de récolter ici tout le travail que vous avez fait. Et cette notion aussi de ce monsieur-là qui amène ce denier, d'opportunité. On va vous tendre la main à un moment donné lorsque ça sera le bon moment. Et n'oubliez pas que la chance est avec vous. Ça peut nous parler d'un coup de chance pour vous dans la semaine ici sur quelque chose qui bloquait, qui stagnait, qui ne marchait pas ici. Donc après, ça peut nous parler vraiment dans l'aspect professionnel pour certaines personnes ici, avec la créativité aussi. Hein. Donc ici, on a les correspondances, donc recevoir des bonnes nouvelles, recevoir des opportunités qui vont vous permettre d'avancer sur quelque chose qui était bloqué. Regardez, réussite, âme sœur, hein, avec cette jeune femme et la manipulation. Hein. Donc ici, on a quand même une notion de sortir de des blocages, du stress, des inquiétudes ici, parce que là, avec la manipulation, c'est une énergie qui stagne, c'est des inquiétudes, c'est les ruminations. En fait, vous faites des films, par exemple, vous voyez tellement par rapport à cette personne, donc ça peut être votre moitié, ça peut être une amie, comme on avait les amis tout à l'heure, une sœur, enfin. C'est quelqu'un de très proche, en tout cas ici, quelqu'un de confiance. Donc on vous dit vraiment, il y a besoin de vous décharger un peu de toutes les problématiques plutôt que de garder les choses parce que, en fait, voilà, c'est des énergies qui restent en vous et qui tournent en rond et ça peut vous déstabiliser. Hein. Donc il y a un besoin de vous détacher de ça et ça va vous faire du bien ici. Donc voilà, il y a une notion aussi pour certaines personnes ici. Il y a une personne proche ici qui peut avoir une notion de vous porter chance, par exemple, vous voyez? Une personne qui vous porte chance, qui va vous porter chance dans la semaine ici. Hein. Donc, sœur, meilleure amie, cousine, cousin, votre âme sœur, enfin voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion-là d'une personne qui va vous porter chance, qui va vous tendre la main et qui va vous permettre en fait de vous élever, de sortir de ces énergies négatives ici. Hein. Donc, très important ici comme message. Hein. Alors, on va prendre notre. Non, il est là, l'oracle. On va prendre notre message. Alors, retrouvez votre enfant intérieur. Donc, une situation, une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, reconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous avez oubliée depuis longtemps.
Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Donc là, ça peut nous parler d'une personne qui revient vers vous, donc amitié, parce qu'on avait les amitiés tout à l'heure. Donc cette personne revient et vous pouvez, par exemple, voilà, par rapport à vos difficultés ici, vous exprimer et dire les choses et pour extérioriser tout ça en fait. Donc en tout cas, il y a une personne ici, ça peut être une amie d'enfance. Donc on peut avoir aussi une situation aussi en lien avec des enfants aussi. Hein, donc. Voilà, donc en tout cas, il y a cette personne qui revient dans votre vie, d'où ce monsieur-là qui arrive avec une bonne nouvelle, qui arrive avec ce denier, qui arrive avec des choses positives, en fait, qui va vous réconforter, qui va vous raviver un peu, vous voyez, le cœur. Hein, donc on a vraiment ces énergies, c'est vraiment très très beau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message pour avoir un peu plus de précision sur notre tirage? Et on a le succès avec la réussite et l'évolution. C'est magnifique, regardez. On a trois cartes ici positives. Réussite, évolution. Et on a quand même ce monsieur qui apporte des bonnes nouvelles. Donc voilà, ça va être vraiment très positif. Si vous faites quelque chose ici, il y a le succès. Hein, examen, démarche, par rapport à un lien avec la grossesse. Donc voilà, ça va être très très positif pour vous. Amélioration de l'état de santé et le pardon. Donc il y a une notion ici. Si vous avez, voilà, hein, c'est vrai qu'avec la rupture ici, on était dans le mental. Donc c'est pour ça que le fait d'extérioriser les choses, eh bien, ça va vous libérer de toutes ces inquiétudes, de tous ces films-là que vous êtes faits, vous voyez. Parce que des fois, ben, on s'imagine des choses qui ne sont pas dans la réalité. Enfin, par rapport à si vous en voulez à une personne, par exemple, ben, il se pourrait que cette personne, en fait, ne vous ait rien fait. Hein, donc du coup, ben, que c'est des pensées que vous faites vous-même. Donc il y a une notion comme ça de pardon aussi. De pardonner à une personne ou de demander pardon à quelqu'un ici pour votre bien-être, hein, tout simplement. Et puis il y a une notion aussi d'amélioration de votre état de santé, hein, si, par rapport à ces angoisses ici et ces peurs. Hein. Donc il y a un besoin de vous détacher vraiment de ça, hein, pour retrouver votre bien-être aussi, hein, pour certaines personnes. Alors, dernier message ici des guides pour cette semaine, pour le tas numéro 2. Alors ici on a l'imagination avec l'enfant intérieur. On a deux fois l'enfant intérieur. Il y a quelque chose ici avec les enfants. Hein. Vous voyez, regardez, retrouvez votre enfant intérieur. Il y a un travail à faire ici. Il se pourrait que pour certaines personnes ici, par rapport à des blocages d'enfance aussi pour certains, c'est ça qui génère ces inquiétudes et ces peurs ici pour certaines personnes. Hein. Ça peut être des choses qui viennent vraiment très 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 lointain. C'est pour ça qu'il y a le travail ici à faire au niveau du chakra sacré aussi, hein, pour certains, pour vous libérer ici de quelque chose. Hein. Mais il y a une notion aussi de profiter de la vie, de vous réjouir comme un enfant, en fait, vous voyez, de vous détacher du drame, de vous détacher de tout ce qui peut voilà, générer du stress et tout ça, et de vous amuser pleinement ici, de profiter pleinement de la vie, et que oui, effectivement, la vie est courte parce que voilà, on sait jamais. Donc, il y a cette notion vraiment de profiter de la vie et de vous détacher du drame. Ici, on a l'intuition, on l'avait tout à l'heure aussi. Et l'estime de soi, aimez-vous à fond, à fond, à fond. Vous êtes une merveilleuse personne. Si vous ne vous aimez pas, personne ne le fera à votre place. Si vous êtes dans les inquiétudes, dans les peurs, dans une énergie de honte, ce genre de choses, mais c'est vous qui générez ces énergies-là, vous les gardez. Même si vous recevez des critiques, bah, mais ça m'étonnerait que des gens osent directement dire les choses, mais peut-être qu'ils le feront en arrière-plan. Mais sachez que souvent, ben voilà, on s'autocritique nous-mêmes et il y a un besoin, voilà, de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes. En tout cas, ici, avec l'intuition, vous avez quelque chose, hein. Et regardez, on a encore cette notion d'enfant intérieur avec l'intuition, mais c'est extraordinaire. Il y a quelque chose ici avec les enfants. Donc, soit vous êtes enceinte déjà ici, parce qu'on avait la grossesse ici, et donc ça génère énormément de stress et des inquiétudes, et ça vous ramène dans le passé par rapport à certaines blessures avec la rupture. Hein. Ou soit là, vous cherchez à avoir un enfant, et en tout cas, il y a un travail qui se fait ici, hein. Et ça joue énormément sous le chakra sacré aussi. Hein. Donc, vous voyez, si vous cherchez à avoir des enfants, par exemple, que vous n'y arrivez pas, eh bien, il se pourrait qu'il y ait un blocage au niveau de votre chakra sacré. Donc, ça tombe exactement au niveau de notre appareil génital et tout ça. Hein. Donc, voilà. Il y a un travail à faire là-dessus. Mais il y a cette notion-là aussi de travailler sur vos capacités, vos dons psychiques ici pour certaines personnes et de vous aimer infiniment, inconditionnellement ici, mes chéris. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Je vous souhaite plein, plein, plein de belles choses. Le tas numéro 3 ici, donc ce qui vient vers vous cette semaine. Alors ici, on a le mois en cours et on a déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc si vous faites un travail spirituel ici, il se pourrait que voilà, vous receviez des signes, vous soyez très intuitif cette semaine. En tout cas, sachez que pendant ce mois-là, hein, donc le mois de mars, avril ici, il y a un déblocage qui va se faire. Donc n'hésitez pas, voilà, à faire certains exercices ici qui peuvent vous aider. Et donc apaisement du mental aussi, c'est vraiment le fait de trouver un équilibre dans votre travail, dans ce que vous faites ici par rapport à ces développements, par rapport à ces exercices et à vos capacités psychiques. Hein.
Et si vous ne faites pas de travail là-dessus, sur vos capacités psychiques, vos dons et tout ça, il se pourrait que, ben, il y a des choses qui se déclenchent hein, dans le mois en cours ici. Hein, donc mars-avril ici, il y a des choses qui vont se déclencher ici. Hein. Donc très très intuitif, le fait de ressentir les énergies, de ressentir les choses. Hein. Donc voilà, mes chéris, et regardez, on a apaisement du mental et derrière on a angoisse et peur hein, qui ramènent vraiment à ce mental ici. Est-ce que vous recevez des signes et du coup ça vous fait un peu peur hein, donc on peut avoir aussi cette notion pour certains. Alors ici on a blocage karmique, année en cours et changement imminent. Et oui mes chéris, regardez ça. Avec le troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Alors ici, pour certaines personnes, pareil. Hein, si vous avez des blocages dans votre vie, il se pourrait que le mois de mars, avril ici, il y a des choses qui commencent déjà à se débloquer. Petit à petit, vous allez pouvoir y voir un peu plus clair. Hein, donc le fait de voir aussi clairement les choses, hein, parce qu'on a cet œil-là qui brille et celui-ci aussi qui s'ouvre. Donc changement imminent, mes chéris, ça se passe dans ce mois-là à venir. Hein. Donc il y a des belles opportunités ici qui arrivent vers vous et aussi très 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 intuitives. Même par rapport à tous vos blocages que vous avez pu ressentir avant ou par rapport à un blocage spécifique, hein, quelque chose auquel vous n'arrivez pas à vous débarrasser, sur lequel vous n'arrivez pas à dépasser par exemple. Donc là, ça va se faire dans le mois à venir et c'est dans l'année à court. D'ici à la fin de l'année ici, vous allez pouvoir un peu vous débarrasser de toutes ces énergies un peu limitantes. Hein. Mais c'est vraiment puissant hein, parce que là, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe ici en vous. Hein, donc laissez un commentaire si ça résonne avec vous au niveau spirituel et tout ça. Hein. Regardez, l'as d'épée, la méditation, apprenez à maîtriser votre monde intérieur ici. Et c'est ce qui va se passer ici. Vous allez être connecté à quelque chose de plus grand ici, mes chéris. Hein. Et si vous faites déjà ce travail-là, franchement, il y a une belle évolution, hein, franchement. Et pour certaines personnes, si vous travaillez dans ce milieu-là, spirituel, que vous soyez thérapeute, clairvoyant, si vous faites vous tirer les cartes, par exemple, vous êtes guérisseur, magnétiseur et tout ça, il y a une notion quand même, peut-être qu'il y avait quelque chose qui bloquait par rapport à votre capacité-là. Et là, il y a les choses qui vont se débloquer du coup, mais par contre, il y a besoin vraiment d'apprendre aussi petit à petit à maîtriser votre monde intérieur, hein, tout ce qui est le mental, tout ce qui est les pensées un peu négatives, à apprendre à maîtriser ce monde-là. Et là, on a une notion que c'est pour ça qu'il y a cette notion-là de travail par rapport à ça, parce que là, vous voyez, elle est en train de compter ses richesses. Hein. Donc, il se pourrait que ben, vous gagnez un peu plus de richesses par rapport à ce travail-là, parce que ça vous correspondra parfaitement. Mais il y a vraiment une connexion très très puissante ici hein, entre vous et le monde psychique, hein, vraiment. Hein. D'où ce déblocage-là qui va se faire. Hein. Vos guides sont en train de travailler pour vous libérer de quelque chose ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 2 de bâton. Donc, au niveau professionnel pour certaines personnes ici, il se pourrait que voilà, il y ait une notion de partenariat ici, de travailler avec un binôme ou d'enseigner, de prendre un apprenti, un stagiaire. Donc, voilà, vous pourrez recevoir un apprenti dans votre entreprise cette semaine. Waouh, magnifique, mes chéris. Regardez-moi ça. Là, il y a une notion de vous êtes protégé. Vous êtes protégé ici, continuez, persévérez dans ce que vous faites ici, vous allez y arriver. C'est vraiment puissant parce qu'on a la victoire. On a la victoire, il y a une notion de réussir à faire quelque chose. Et peut-être que vous-même, vous allez sentir qu'en fait, les blocages sont finis, ou il y a quelque chose qui s'est débloqué, vous avez enfin réussi à avoir ce que vous désirez depuis tout ce temps. Parce que là, on a le 10 de couple, donc c'est vraiment la réjouissance, c'est les plaisirs, c'est l'accomplissement ici. C'est de la joie, du bonheur, vous voyez. Et là, c'est pareil, le 10 de denier, c'est les richesses, c'est profiter pleinement de votre vie sentimentale, familiale. Donc il y a une notion de réussir à faire quelque chose ici, hein. Que ça soit au niveau professionnel ou tout simplement dans votre vie, vous allez avoir des changements qui vont s'opérer dans le mois à venir, parce qu'on a le mois en cours et aussi au cours de l'année. Donc ça veut dire que d'ici la fin de l'année, il y a pas mal de choses qui vont bouger dans votre vie ici. Hein. Donc il va y avoir des grands, grands, grands changements hein, que vous allez sentir hein, du coup. Hein. Donc une semaine vraiment positive. Hein. Donc allez-y à fond. Hein. Ici, on a la notion de distance. Et on a les retards. Donc, si vous avez un rendez-vous ici, par contre, voilà, partez bien en avance pour éviter d'arriver en retard. Donc, il se pourrait que vous soyez amené à vous déplacer ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays prochainement, dans la semaine ici. Donc, on part un peu plus tôt hein, pour éviter vraiment les retards ici, mes chéris. Et aussi, une notion de prendre ses distances aussi par rapport à une situation. On va voir les cartes.
Il y a le retard hein, qui revient encore. Hein. On a le temps. Ouh là là, mes chéris, on fait attention. Hein. On a les rêves. Magnifique. Il y a le carrefour. Hein. Alors oui, mes chéris, il y a quelque chose ici. Il y a un rendez-vous très important. Il y a quelque chose, un projet ici très important. Parce qu'on a la naissance, quelque chose qui est en marche là, qui se fait. Que ce soit une construction de maison, projet en cours. Voilà, quelque chose que vous voulez faire, une formation que vous voulez passer. Mais en tout cas, une notion de quelque chose qui vous tient à cœur. Un rêve, quelque chose que vous désirez profondément ici. Hein. On fait attention parce qu'on a encore le temps qui revient avec les retards. De ne pas arriver en retard par rapport au rendez-vous important ici. Hein, si vous avez des signatures à faire. En rendez-vous avec le... On avait une notion de partenariat pour certaines personnes ici. Hein. Donc, on fait attention par rapport à ça. Mais on a aussi un nouveau départ, la naissance d'un nouveau projet pour certains ici, quelque chose qui vous tient à cœur, les choses vont se faire ici. Donc, il se pourrait que voilà, vous ayez un choix à faire ici, hein, cette semaine, pour certaines personnes ici, par rapport à ce projet, par exemple, vous voyez, où vous avez raté une opportunité. Donc, vous êtes un peu dans l'indécision, mais en tout cas, les choses vont s'améliorer ici cette semaine. Et pour certains, vous pourriez apprendre la naissance dans la famille, une grossesse, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Il y a plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous quand même avec les partenariats, hein, donc des signatures aussi hein, pour certains ici. Il y a quelque chose qui prenait du temps aussi là, mais les choses vont s'améliorer hein, parce qu'avec le nouveau départ, ça va commencer là. Donc dans le mois à venir, là, les choses vont se mettre en place. Hein. Créativité, hein, donc c'est ce que vous êtes en train de bâtir ici. Hein. Donc là, on a la jeune femme, donc il pourrait que vous soyez amené à vous déplacer pour rencontrer une femme ici, hein, par rapport à ce projet, par rapport à ce que vous avez prévu ici de faire. Hein. Et aussi, c'est prendre le temps aussi hein, de faire des choses qui vous plaisent aussi, hein, de vous déconnecter un peu voilà, des petits soucis. Et puis, voilà, écouter de la musique, danser, quelque chose qui va augmenter votre taux vibratoire aussi hein, pour vous aligner dans votre vie ici. Donc ici, on a la notion de vigilance. Donc par rapport à une certaine difficulté, des commérages. Donc faites attention ici si jamais, voilà, vous apprenez quelque chose, une personne vous raconte par exemple une histoire sur quelqu'un d'autre, et bien de ne pas prendre les choses, de ne pas croire que c'est une vérité. Tant que vous n'avez pas entendu les choses de la bouche de la personne, il y a une notion de vigilance par rapport à ça. Donc voilà, de ne pas croire tout de suite que c'est vrai, alors qu'en fait, voilà, il y a des gens qui aiment bien ramener des histoires aussi. Hein, donc voilà. Et pour certaines personnes ici, ça peut être par rapport à une rupture d'une personne, par exemple, que vous connaissez. Il y a une personne qui va ramener les ragots, qui va vous raconter, mais voilà, j'ai entendu que son mari ou sa femme l'a quitté. Enfin, vous voyez, et là, ça va commencer déjà à jaser avec les commérages. Donc, c'est vraiment ça, regardez. Et pourquoi il y a les difficultés au milieu? C'est parce que quand vous ramenez les énergies comme ça, vous les propagez, vous vous imprégnez aussi de ces énergies. C'est très important, on ne se rend pas compte, hein, mais à chaque fois qu'on se nourrit des problèmes des autres, hein, des difficultés des autres, hein, ou quand on se réjouit du malheur des autres, on prend cette charge-là en soi. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'il y a cette notion de vigilance. Donc peu importe ici ce qu'on va vous rapporter, eh bien écoutez tout simplement et laissez ces énergies partir ou rester à la personne qui les raconte. Très important, mes chéris. Donc voilà, ici il y a une notion aussi pour certaines personnes ici, d'une personne qui est partie de votre vie ici. Hein, donc voilà, cette personne a mis du temps à revenir ou à vous donner des nouvelles. Hein, d'accord? Hein, donc on vous dit quand même d'être vigilant par rapport à cette personne. Donc on va rajouter des cartes quand même pour voir. So, ouais, ça c'est. C'est une personne, ben, c'est surtout pour ceux qui sont célibataires, vous voyez, regardez, on a le nom derrière, ou si quelqu'un vous a quitté récemment, vous avez quitté une personne récemment, il y a une notion de prendre le temps en fait, ou cette personne veut prendre le temps, de lui laisser le temps, de vous laisser le temps ici par rapport à cette relation, vous voyez, parce que derrière on a l'élévation. On vous dit que peut-être cette personne maintenant n'est pas prête à revenir, ou vous n'êtes pas prêt à aller vers cette personne, mais d'où le nom tout à l'heure, c'est pas le bon moment, on vous dit. Mais avec un peu de patience, il y a une notion d'évolution dans l'aspect sentimental ici. Peut-être que plus tard, ça sera les choses iront un peu mieux, les choses seront moins tendues, vous voyez. Donc, il y a une notion comme ça. Hein. C'est pas le bon moment cette semaine par rapport à cette personne. Alors, on va prendre notre message. Donc, place à la renaissance. Et en plus, on avait la naissance ici. Waouh, c'est trop beau, mes chéris. Alors, la renaissance, la naissance ici, c'est nouveau projet, nouveau départ, quelque chose que vous avez déjà mis en place ici et les choses évoluent favorablement pour vous. Donc, les événements difficiles sont terminés. Et qu'est-ce que je disais avec le karma?
Blocage karmique. Si vous avez des blocages dans votre vie, si les choses n'avancent pas, ne bougez pas, là on vous dit, eh, c'est terminé tout ça, du moins pendant le mois là à venir, mars, avril, oui c'est ça, les choses vont, vous allez quitter ces blocages-là derrière pour aller vers du renouveau, vers un nouveau départ, renaissance, nouveau cycle ici pour vous mes chéris. Donc vous voilà en période de renaissance, soyez patient, on a la patience qui est là aussi, hein. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante, mes chéris. Pour certaines personnes ici, au niveau sentimental, il y a une personne qui revient vers vous. Peut-être que voilà, avec cette rupture-là, cette personne avait besoin de temps. Et enfin, cette personne revient pour repartir sur un nouveau départ aussi pour certains. Donc vraiment prenez par rapport à votre situation. Alors, on va voir ici pour plus de messages par rapport à notre guidance. Confiance ici, on vous dit de garder confiance par rapport à cette situation, par rapport à une situation particulière cette semaine. Restez confiant ici. Dans un avenir rapproché, en tout cas les choses vont bouger, mes chéris. Entre le mois en cours et là, dans un avenir rapproché, il y a quelque chose qui arrive très vite pour vous ici, hein. Donc je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire ici, un travail de déblocage, un soin ou quoi, peu importe, mais il y a une notion que pendant ce mois-là, ou même très rapidement, il y a des choses qui bougent. Hein. Vous allez quitter un cycle ici qui était difficile ici pour aller vers l'avenir. Ici, on avait une notion de peu probable, vous voyez. Donc quelque chose qui bloquait. Donc il y a une notion de temps aussi pour certaines personnes. Restez confiant. Si par exemple, arrive un moment donné, vous avez l'impression que les choses ne vont pas fonctionner ou que ça ne va jamais arriver, ça peut vous bloquer un peu, vous ralentir. Donc c'est pour ça que les choses vont vite quand même. Donc restez positif, restez dans la lumière hein, pour pouvoir évoluer ici dans votre vie. Hein. Très très important. Donc ne perdez pas espoir, quelle que soit la situation cette semaine ou dans les jours à venir ou dans le mois à venir, parce qu'on a vraiment cette notion aussi de rapidité. Alors, ici, avec les messages des guides pour cette semaine, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire cette semaine? Waouh, regardez, on a les affaires ici avec Vénus, on a des contrats ici, parce que regardez, on a les compromis, on a les deux personnes qui sont en accord ici, donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y avait une notion de... Elle est où la carte? Est-ce que c'est vous, c'était le tas numéro 2? Ouais, c'était peut-être le tas numéro 2, je ne sais plus. Il y a une notion de vous associer avec une personne ici, vous voyez, dans l'aspect matériel, par rapport à un projet ici. Vous recevez une réponse favorable. Il y a une notion d'argent, soit vous envoyez de l'argent pour un projet ou vous recevez de l'argent pour un projet. Mais en tout cas, ici, les affaires vont être favorables pour vous ici, pour vos projets, pour tout ce que vous avez prévu de faire ici prochainement, mes chéris. L'argent est là, l'ouverture de l'abondance est là, en tout cas, pour vous permettre d'avancer. Alors, créativité, et on a la mort deux fois ici. Il se pourrait que pour certaines personnes ici, par contre, voilà, vous apprenez le décès de quelqu'un de votre entourage aussi pour certaines personnes ici. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a cette énergie deux fois qui est sortie quand même. Donc voilà, et c'est aussi la fin. Et oui, c'est ça aussi. Hein. Donc n'oubliez pas que la mort, ce n'est pas non plus que la mort, mais c'est aussi la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Et c'est les énergies qui ont été là depuis le début. Il y a quelque chose qui prend fin ici pour vous permettre de repartir sur de renouveau ici, de enfin créer la vie que vous rêvez. Dansez, chantez, amusez-vous. Vous voyez, avec la créativité, il est là aussi. Le pinceau ici. Créez votre vie, créez la vie que vous rêvez ici. Et vous allez avoir ces opportunités-là pour vous réinventer, en fait. Et donc, vraiment, vous quittez une situation. Là, il y a quelque chose vraiment qui prend fin, mes chéris. Hein. Donc, profitez-en pleinement dans les jours à venir, dans les semaines à venir ici. En tout cas, les choses vont évoluer favorablement pour vous. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Je vous souhaite plein, plein de belles choses. Hein. Et je vous dis à très vite. Oula, j'espère que vous avez vu. Je viens juste de me rendre compte qu'en fait, les cartes, elles étaient tous au fond. À bientôt!